Salut! Bon, t'inquiète pas, j'ai remis mon pantalon. Il fait super chaud. Aujourd'hui, enfin sur cette vidéo, ça va être les freins. Enfin les étriers arrière, je remonte tous les freins, je purge. Remontage d'admission, peinture et traitement de mes passages de roues. Et enfin remontage ma tubulure de flotte là derrière le bas moteur là et ensuite l'admission et après je verrai dépose du pare-choc, il faut que je dépose l'échappement parce que il me paraît pas trop propre, donc je vais voir si je peux le sauver ou pas. Donc voilà, donc t'as compris, il fait super chaud, donc je me refous à poil et puis je me cache. Hop là. Donc tu vois, j'ai vraiment pas avancé. Niveau mécanique, je souhaiterais eh ben, remettre mon conduit de flotte et je vais pouvoir remonter toute l'admission. Ce serait pas trop mal ça. Et l'échappement, si j'ai envie. Ouais. Ça serait pas mal. Bon, pour toi ce sera la même vidéo, mais pour moi c'est un autre jour. Ce que j'ai fait hors caméra, déjà, que je te montre mes freins arrière que j'ai fini, que j'ai purgé. Je t'invite à aller voir la vidéo sur mon purgeur AutoBest, qui est pas trop mal. Donc je te montre. Donc voilà, tu m'excuses, il y a beaucoup de vent. Et puis on reste d'un amateurisme professionnel hors pair, donc j'éclaire comme je peux parce qu'il est tard. Donc comme tu vois, mon étrier est tout neuf, purgé. Comme je t'avais dit, j'ai nettoyé, comment dire, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas du Black Sun, mais presque pareil, quoi. La peinture protectrice. L'inconvénient de cette peinture, je vais commencer par l'inconvénient. Elle a tendance à s'altérer. Elle protège, mais c'est dommage, le rendu est sympa là en vrai. À part quelques traces de goudron que j'ai pas réussi à enlever. Mais ça s'altère, ça devient terne et puis t'as l'impression qu'elle s'en va, mais elle est toujours là. L'avantage c'est qu'elle protège et elle protège vraiment super bien cette peinture. Si tu la veux, tu me demandes, je te la donnerai en commentaire. Donc j'en ai mis partout, j'en ai mis sous les certains points, sous la caisse, j'ai fait d'autres côtés forcément. Donc voilà, on a des freins qui freinent. Et un frein à main qui freine pas quand je lui demande. Comme tu vois, j'ai enlevé le silencieux aussi, que je vais te montrer. Voilà, donc pareil, j'ai nettoyé. Lui, il est super propre, ça se voit qu'il est pas trop vieux, je pense. C'est un super sprint. Donc la sortie, là, je vais la polir pour qu'elle brille, qu'elle soit propre. Tout le reste est nickel. Donc ça, c'est un bon point. L'intermédiaire, bah, il est mort. Je t'en parle même pas. Il y a la quantité de rouille et tout que j'ai ressorti, c'est même pas la peine. Donc faut que j'en commande un. Je sais pas si j'en mets un origine. Et si j'en profite pour virer l'intermédiaire et mettre un tube. Je sais pas. Au jour d'aujourd'hui, il est même pas commandé. Enfin, le jour où je fais ce bout de vidéo, il est pas commandé. Le jour où toi tu verras la vidéo, il sera monté sûrement parce que j'ai rassemblé plusieurs montages pour t'épargner trop de courts-métrages. Donc voilà. Côté mécanique. Hop là, donc toujours, là ça n'a pas avancé, mon couvre culbuteur qui est monté. J'ai, hop là, remonté mon vase d'extension que j'avais nettoyé. C'est pas nickel comme neuf, mais ça fera très bien l'affaire pour l'instant. Alors là c'est pareil, j'ai nettoyé, traité un tas de pièces. J'ai monté une partie de mon collecteur qui est là. Collecteur d'admission. La pipe d'eau. Et dessous aussi, mes durites,
J'ai remonté mon arrivée d'essence. Hop, qui est nickel. Il me restera à mettre un filtre à essence neuf. J'ai fait la pointe de mon liquide de frein. Et le plus important, que je te montre ça tout de suite. Le plus important. Condenseur de clim. Tu ne le vois pas. Il est là. Enfin, il n'est pas encore fixé. Caméra monte. Radiateur d'eau. Donc condenseur neuf, radiateur neuf. Mon ventilateur de clim. Comme ça, la clim est prête à être contrôlée, voire à contrôler l'étanchéité et puis à faire charger ou à charger. Je verrai si je le fais moi-même. Le radiateur, il manque une patte au jour d'aujourd'hui. Et puis, je garde un peu de souplesse pour finir de monter le ventilateur moteur que j'ai pas fait encore réparer. Enfin, je vais le faire moi-même, mais il y a une cosse qui est à réparer. Comme tu le vois, c'est tout beau. Nickel. Propre. Avec ça, ça bougera pas. Donc voilà pour ce qui est B-moteur. Donc, la tubulure, c'est... Je sais pas si tu vois. Non, tu vois rien. C'est celle qui est dessous. Là. C'est celle en acier que je t'avais montré dans mes toutes premières vidéos que j'avais fait refaire. En même temps que mon... Alors, j'ai enlevé les vidéos pour certaines raisons qui me regardent, mais... quand j'avais réparé le radiateur du coupé, fait réparer et entre guillemets optimisé quoi. Alors, j'ai commencé à refaire le faisceau par endroit parce qu'il était coupé vu qu'il avait été sondé, parce qu'à la base cette voiture devait subir un swap et maintenant que je te montre autre chose, et maintenant le plus marrant à mes yeux. Oui, je suis toujours avec ma pauvre lampe. Hein. Et plains-toi pas parce que je pourrais mettre une bougie. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et oui, j'ai posé mon short shifter avec le kit renfort de tringlerie de boîte. Oui, oui, il y a du vent toujours. Tout est en train de tomber. Ah punaise, je te dis que ça fait plaisir à son homme. Je pourrais faire ça des heures. Je te montre la photo. J'ai pas fait de photo ni filmé parce que j'ai fait ça un soir vite fait. Si tu veux le faire sur la tienne, tu me demanderas. J'ai les liens pour le kit renfort et le short shifter. Ça se voit pas. Ils sont pas toujours dispo, il faut être patient. J'ai mis une bonne heure quand même. Alors, je pense que ça se fait sans déposer l'échappement. Là, il était déposé, donc bon bah ça s'est bien mis. Voilà. Du coup, je te le dis quand je fais la vidéo, je sais pas quand la vidéo sortira, mais si j'ai réussi, je l'ai commandé ici pour le couper. Ça va être méchant. Donc, je sais pas, tu te rends pas bien compte, mais c'est vraiment court. Toi, là, je suis en premier. Et j'ai pas d'huile, donc ça racle un peu, là. Faut que je fasse les pleins des fluides. Toi, là, je suis en première. Hein. Deuxième. Je suis au taquet. Hop, troisième. D'origine, on va vraiment plus chercher. Surtout la cinquième, qui reste plus loin. Toi, là, allez. Hop. Donc, voilà. C'est cool. Voilà où j'en suis. Donc je vais continuer. Je vais te mettre la photo du short shifter, enfin de toute la tringlerie montée. J'en ai fait une vite fait quand j'ai fini là. Tadam ! Bon, voilà la suite. J'ai commencé la vidéo, il faisait une chaleur atroce. Aujourd'hui, il pleut. Plus. Il pleuvait. Il fait froid. Comme tu as deviné, il s'est passé énormément de temps depuis le début, le tout petit début de vidéo que tu viens de voir, et aujourd'hui. Là, j'ai une demi-journée de dispo, donc je vais continuer. J'ai continué entre-temps, mais j'ai rien filmé. Tac. Donc, comme tu vois, étrier monté, j'ai traité et repeint
mes passages de roue. C'est beau, hein? J'ai déposé mon silencieux. J'ai fait pas mal de boulot. Hop. J'ai remonté mon radiateur. Mon condenseur. Il faut que je remonte mes pattes de fixation. Ça bouge. Et mon ventilateur côté radiateur. J'ai reçu un tas de pièces, mais je pourrais pas remonter mon bac à batterie ni mon admission directe parce que j'ai pas reçu mon huile, elle a été saisie en douane. Je suis un peu dégoûté, donc faut que je vois comment la récupérer. Donc, hop, toutes les belles pièces. C'est Noël avant l'heure. Demi-ligne. Silencieux que tu connais, que j'ai traité, nettoyé et repeint. Histoire de faire propre, il faut que je nettoie la portée là. Et toutes mes belles pièces. Bon, ça c'est pour le break de chasse. On s'en fout. Mes barres anti-rapprochement. Avant-arrière. Mon collecteur. Tac. Que j'ai réoptimisé. Enfin, réoptimisé. J'ai passé un coup de dent. J'ai encore oublié le mot. Comme ça, on a des belles soudures. Parce que d'origine, c'est vraiment dégueulasse. J'avais des gros pâtés. Enfin, c'était pas terrible, quoi. Donc là, je les ai vraiment bien lissés, tu vois, pour pas avoir de perturbation au passage des gaz. J'y mets même deux doigts. Donc c'est nickel. Ce côté, c'était pas mal. Donc j'ai pas touché. Bon, forcément, j'ai reçu un joint neuf. Donc j'ai passé de la tresse dessus. Mais avant ça, je vais remonter. Finir de monter mon admission. Ensuite, bon, bah là, j'ai reçu plein de pièces. Mon admission directe, admission carbone. Mon filtre à essence neuf qui me manquait. Filtre à pollen. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Ça c'est mon. C'est ma tresse. Ça c'est les joints. Ça c'est quoi? Oh, je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah si! Ça c'est bon ça. Il est précieux. Papillon 52. C'est beau, hein. Avec ça, je te dis qu'il va être gavé. Donc forcément, selon comment elle se comporte, tu te doutes bien qu'il y aura une gestion probable derrière. Ça c'est des joints, un câble, parce que j'ai pas trouvé le câble d'accélérateur d'origine. Enfin voilà, plus tout, plein d'autres pièces. Donc on va continuer tout ça. Et puis bah, je te montre au fur et à mesure. Donc voilà, je suis en train de monter mon papillon. Oui, je travaille avec des gants. T'as une belle, enfin une belle. Une petite différence notable quand même, hein. C'est visuel, hein, c'est flagrant, hein. Donc pour la ce que j'ai en tête, t'as pas besoin de toucher aux injecteurs ou aux pressions, hein, là-dessus. C'est vraiment histoire de changer bah, un peu son comportement, quoi. Avoir un petit truc un peu plus sympa en plus que c'est déjà d'origine, puis un peu comme le coupé, toi. Donc tu mets un papillon 52, tu mets une demi-ligne, hein. Tu décatalyses pas surtout. Jamais. Et puis voilà, ça suffit, hein, plus le reste que bon, je t'expliquerai au fur et à mesure. Tout ça pour te dire, quand t'as fait un joint de culasse et qu'elle a pris de la maillot et que tu restes d'origine, enfin peu importe, n'oublie pas de nettoyer ta pipe d'admission correctement et ton papillon parce que souvent elle ravale. Je sais pas si t'arrives à voir, j'ai pas touché, hein, c'était lequel? Ça, c'est le papillon d'origine. Souvent, ils ravalent plein de maillots avec leurs valves. Donc, n'hésite pas à dégraisser. Voilà, c'est nickel maintenant. Surtout qu'il y a le côté condensation qui se fait naturellement.
Donc c'est plein de maillots dedans. Donc n'hésite pas à bien nettoyer dedans, dégraisser, souffler. Et puis voilà. Donc voilà quoi. Allez, on continue. Tac, c'est prêt à monter. Méfie-toi, hein, le joint d'admission, il a un sens. Hop. Tac. Tac. Hop, bon voilà. Admission montée. Hop. Il me restera le câble à réparer ou à changer, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Parce que lui, il passe de mémoire, il passe là-dessous. Hop. Il fait un truc comme ça et comme ça. Tu vois? Et il doit être coincé quelque part par là. Mais pas moyen de trouver en neuf. À prix correct, j'ai trouvé, mais genre à 90 balles, enfin 80 livres. Beaucoup trop cher pour pour mon porte-monnaie. Donc on verra. Hop. Hop, c'est barré en plus. Ça Le pourrait paraître du bricolage. salopard! Je suis un peu d'accord avec toi. Mais non. Pourquoi t'es pas Je fais ça et après je vais tout souder ensemble. Et ça bougera plus. Parce que ça a tendance à bouger ces machins de merde. C'est mort. Mets de la cosse. Voilà. Tout bricolage. On va gratouiller les petites cocosses. À l'endroit, c'est mieux. Après, on va les mettre. Là. Toc. Il n'y a pas de sens, hein, on s'en fout. Je m'en fous. De toute façon, j'ai pas le choix parce que je trouve pas non plus ce truc. Et après, je vais tout souder. Ah, j'aurais même pu faire. Mercredi. Parce qu'après ça va aller là. Attends, bouge pour, j'ai une idée. Donc c'est soudé. Ensuite. On va le mettre. Le petit truc. Alors comment qu'on peut faire pour pas trop plier le fil? Alors je peux faire ça comme ça là, je pense. Tac, ouais, c'est bien. Et quand j'aurai les moyens d'acheter une batterie, on l'essaiera avant de démarrer la voiture quand même, ce sera peut-être mieux. Ce que je t'ai pas dit, mais en théorie, à la fin de la vidéo, on peut la faire craquer, hein. Si je suis dans le planning. Bon, petit conseil, le radiateur mets-le, enfin le ventilateur mets-le en même temps que le radiateur, parce que autrement c'est trop chiant. J'aurais dû le faire en même temps, c'est trop la galère, mais ça l'a fait. Tac. Donc là je vais remonter ma durite, donc celle-ci. Donc pareil, hein. Vu que ça fait un joint de culasse, n'oublie pas de bien nettoyer ta durite, parce que bah, c'est plein de maillots. Hein. Moi je mets toujours un peu de graisse sur hop, les raccords, pour que ça vieillisse bien. Après, bon, est-ce que c'est utile? Je sais pas, franchement, peut-être, oui, non, en gros, si c'est utile. Hop là.
Non, c'est utile. Ça évite que ça pourrisse assez vite. Bon, là, je sais qu'il n'y aura que du liquide d'enfroidissement. Mais bon, des fois, hein, t'en as qui mettent de l'eau, puis après, ça fuit. Ça rouille. Hop, ça, on verra. Donc, tu vois, j'ai posé mon radiateur, mon support. Bon, il m'en manquait un, faut que j'en chope un. Mon ventilateur. Là, ma cosse de ma masse, faut que je la refasse, j'ai tout branché. Donc on continue. Hop. Donc là, j'ai passé la borne parce qu'il va être temps de remonter l'échappement. Pareil, hein, je l'ai traité les pins. Je sais pas si tu te rends compte mieux compte. Ouais, le temps commence à tourner. Là. Chier. Si tu prends bien compte. C'est pas bien gros quand même d'origine. Hein. Mais il y a une sacrée différence. Les soudures sont vraiment dégueulasses d'origine. En tout cas sur les miens. Je sais pas si c'est. J'ai pas trop fait gaffe sur mes souvenirs que j'ai. Sur les autres cas séries que j'ai eu l'occasion de voir et démonter. J'ai pas souvenir. Mais là c'était vraiment dégueulasse. Genre celui-là là. Mais sans rire, j'en ai enlevé une sacrée partie. Hein. Alors je sais pas. Là je pouvais pas trop l'enlever parce que de l'autre côté il est sur la bride. Mais bon c'est lisse et puis c'est vraiment toi, à fleur. Donc l'isolant c'est ça. Donc je vais le passer. Puis bah je te montre le résultat. C'est vraiment une plaie à mettre ces machins. Alors ça c'est bon. J'ai plus la plaque en ferraille qu'il y a là. Donc, je préfère isoler quand même, ça chauffe dur. Puis c'est purement esthétique aussi. Hein. C'est une horreur. Et je vais perdre patience, je sens que ça va finir en nœud de boudin ça. C'est la merde. Franchement c'est la merde. En rubané comme ça va être réglé je te jure. Pff, oh là là. Quelle plaie. Ça se met pas comme on veut, c'est de la merde. Tiens, ça c'est pas trop mal comme ça. Allez. Voilà, toujours sur mon collecteur. Ça prend une plombe. Mais le résultat devrait pas être trop moche, je pense. Ça commence à me gratter partout de ce bordel là. Limite, c'est des gants de cuisine. Ouais, ça gratte pas mal ce truc quand même. C'est la galère quoi. Voilà. Puis forcément là ça passe mal du coup ça fait des plis. Après c'est super gros. J'ai pris la même chose hein. C'est des bandes isolantes thermiques et c'est efficace hein. C'est ce que j'ai mis sur le dao pipe du coupé et ça bouge pas quoi. Quand tu tapes un dodan quoi, mais ça, j'ai pas trop envie d'en parler, tu vois. Bon, bah, on continue. Bon, voilà, c'est fait. Bon, esthétiquement parlant, c'est acceptable. Peut mieux faire. Peut mieux faire, peut mieux faire. Voilà. Tac.
Allez, maintenant on va remonter cette merde. Bon voilà, récap. J'ai viré l'isolant, je vais en mettre un après. J'ai monté le collecteur. Durite, là c'est monté, il faudra que je la fixe. Tout ce qui est admission, c'est fait. Il faudra juste que je répare mon câble. Voilà. Donc on va poser le collecteur là. Alors je sais pas si j'avais déjà filmé comme ça, mais la caméra je l'ai mis au même endroit que quand je fais mes sorties vélo, sur le pectoral. Donc bon, on verra, hein. Si ça te plaît pas, c'est pas grave, tu partages quand même, tu t'abonnes. Si ça te plaît, bah tu partages et tu t'abonnes. Allez, je pose le collecteur. Méfie-toi, là il y a un sens aussi pour le... Enfin, tu peux pas te tromper normalement, pour le joint de collecteur. Parce que là, il est coupé pour laisser passer la pipe d'eau. Toi, t'as une pipe d'eau qui est là, au bout du joint, là, ici. Hop. Bon, comme tu vois, il fait nuit, quasiment nuit. Tac. Attends. Voilà où j'en suis. Pour aujourd'hui, bah toi, ça fera toujours qu'une vidéo. Tac. J'ai changé mon filtre à essence. Tac. La pile d'admission que tu as vue. J'ai fini. Collecteur, ouais, j'aime bien les coller Serflex, j'en mets partout. Bon, c'est pas, ça pourrait être pire comme je disais, mais ça va. J'ai remonté ma dernière durite, j'ai remonté une partie du faisceau, j'ai remonté ma clim. Donc j'avais été trop vite. Quand tu veux mettre le collecteur, faut pas remonter l'alternateur. Donc il a fallu que je redépose, enfin je dépose, je bascule pour pouvoir poser l'alternateur. Pour pouvoir poser l'échappement, le collecteur. Tu vois, il est temps que j'arrête. Hein. J'ai remonté cette durite d'eau. Donc je sais plus si elle a été fixée ou quoi. Il faudra que je regarde, on verra. Autrement, on va mettre un colson. L'ami des colson. Ça, je sais plus où ça va. Ça, c'est la marche arrière. Là, j'ai un doute. Mais là, je sais plus. Ça, il faut que je le remplace. Mauvaise masse égale problème. Et puis voilà, j'aurais quand même bien avancé aujourd'hui. Donc pour toi, la suite de la vidéo que je t'invite à regarder. Pour moi, ce sera une autre fois. Hey. Bon. Suite et fin de l'épisode. J'ai monté le kata. Il me reste à déballer et à monter l'intermédiaire. Hein. Non, c'est pour le break. Le silencieux. Et après, je te montre ça. Ça j'ai pas mal. Voilà ma belle ligne. Pour la suppression d'intermédiaire. Donc c'est du Cobra. Tu vois dedans. Le diamètre est peut-être un peu plus gros que l'origine. Après je m'en fous. Hein. De toute façon pour... Enfin ça laisse largement de la marge. Mais j'ai trouvé ça sur eBay. C'est un magasin là, en Allemagne qui fait ça. Et c'est vraiment qualitatif, c'est vraiment de la bonne qualité. Hop. Donc c'est une demi-ligne suppression intermédiaire inox. Et hop. Mercredi, tac.
fournissent tout avec, la visserie. Hop là, ils te fournissent la visserie et les joints. T'as rien d'autre à rajouter. Tu récupères tes anciens. Il me semblait que je les avais reçus, mais je les ai. J'ai dû les paumer. Et s'il y a un bloc, puis tu réutilises les anciens, c'est pas grave. Allez, je vais la poser. Bon. Bon, comme tu vois, l'échappement est toujours par terre. J'ai galéré comme un gogol là par terre. Ça commence à me saouler. En gros, la ligne, elle va dessus. Le retour, il est légèrement plus grand, mais par rapport à l'origine. Mais c'est pas grave parce que il repart. À, comment te dire? C'est ce qui passe sous le, pour ceux qui connaissent, sous le train arrière, ça. Enfin dessus. Donc c'est pas trop gênant, il y a de la marge. Parce que t'as le réservoir là. Ce qui m'emmerde, c'est pour t'expliquer ce que tu vois. Ouais. Pour te donner un ordre d'idée, ça c'est le joint d'origine. Donc tu vois, là les deux trous ils vont dedans. Nickel. Hop, viens la caméra. Et là, hop. Je sais pas si tu vois. En gros, la bride, ça c'est le nouveau joint. Ça, la bride du Cobra. Alors, je parle bien d'échappement. Hein. Et plus grande. Tu vois le problème? Tu comprends le problème? Du coup, là, ça passe pas. Soit je garde mon calme et puis je l'emmène là où j'avais fait faire mon dao pipe. Et il met bavure un peu les trous, il y a de la marge. Nickel. Soit je m'énerve et je remets le silencieux, l'intermédiaire d'origine. Ce qui m'emmerde parce que il est quand même bien abîmé et puis bon, ça vaut un petit billet ça, donc je vais pas acheter pour rien. Quoi. Donc, on va garder son calme, on dit que ça sert à rien de s'énerver. Donc on va pas s'énerver. Hein. Hein? Putain! Sérieux? Eh ben, je crois que si t'as bien compris. Bon, ben on finira sur cette belle façade. Si t'as deviné, j'ai pas remonté l'échappement, donc ce sera pas aujourd'hui qu'il va démarrer. Ce sera pas sur cette vidéo. Dommage. Bon. Eh ben mon grand. Hop. Je crois que t'as compris, hein. Ce sera pas sur cette vidéo qu'elle démarrera. Je suis un peu déçu. Bon, j'aurais bien avancé quand même. Bon, en vrai, toi, ça a duré une demi-heure, mais bon, moi, ça a duré. Ça fait au moins 3 mois que ça traîne. Mais au moins, le catalyseur est remonté, l'échappement, enfin, à moitié remonté. J'ai le bac à batterie à remettre, une batterie, de l'huile boîte, de l'huile moteur. Liquide de refroidissement à mettre, j'ai 2-3 connectiques à brancher et on est bon. Et donc du coup ça tu le verras à la prochaine vidéo, je l'espère, enfin la prochaine vidéo sur la ZR. Entre deux je te réserve une petite surprise. Donc on verra si j'ai bien bossé ou si ça fait bing les soupapes. Salade de soupapes si tu veux le voir, prochaine vidéo sur la ZR. Et l'échappement, je sais pas trop, soit je remets l'intermédiaire d'origine, puis je verrai l'intermédiaire plus tard, le Cobra là. Parce qu'en fait la bride est beaucoup, il y aura bien 10 de plus. En fait c'est juste le diamètre du tuyau est le même, mais la bride est plus grosse. Donc je vais voir, autrement je fais rectifier la bride de mon silencieux. Donc je vais voir ça, on verra à la prochaine vidéo aussi.
Donc ça me fait. Je suis un peu déçu quand même. Donc on verra. Mais là, de toute façon, ce sera pas là. Parce que il fait nuit et il fait froid. Donc voilà. Donc j'ai envie de te dire. Bah, abonne-toi et puis partage. Salut! Merde!